cette vue, elle est à couper le souffle. On a déjà beaucoup de mal à respirer avec tout ce vent. Oui. C'est beau, non? Magnifique. Oui, c'est très beau. Vu d'ici, on comprend mieux pourquoi cette ville, elle suscite tant de convoitises. Parce que depuis longtemps, elle a vu passer les pharaons, les Assyriens, les Perses, les Macédoniens, les Romains, les Byzantins, les Omeyyades, les Croisades, les Mongols, les Mamelouks, les Ottomans et puis évidemment les Juifs. La diversité, est-ce que pour vous, c'est un gage de beauté? Alors moi, j'aime bien parce que ça me fascine et je découvre tout le temps des nouvelles choses. C'est plein d'histoires mystérieuses et je trouve ça très fascinant au niveau culturel. Quand vous venez ici, quelles sont vos premières impressions? Alors pour moi, d'abord c'est l'air de la montagne, l'air du désert, l'air de la forêt. C'est tout en même temps d'un côté et après la couleur des pierres, toute cette architecture, toute cette énergie de l'histoire. Ça, c'est les premières choses que je sens quand j'arrive à Jérusalem. Bon, je propose qu'on aille se mettre à l'abri du vent. Ok. On y va. Bonjour, Rif Cohen. Bonjour. On est absolument ravis que vous nous serviez de guide ici à Jérusalem. Vous êtes né en Israël, vous avez des parents originaires d'Afrique du Nord, vous avez fait un petit tour par Paris et à l'arrivée, ce métissage culturel s'adonne sur vos lèvres, une pop orientale inspirée aux accents électriques qui va enflammer cette émission. On va en parler évidemment à l'occasion de cette année France-Israël, mais avant on va aller visiter ensemble la vieille ville. On y va, je crois que c'est par là. Jérusalem fait l'actualité depuis 4 millénaires. Elle est le berceau des trois religions monothéistes, sacrées pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. En franchissant la porte de Jaffa, derrière la muraille construite au XVIe siècle par Souleyman le Magnifique, même les agnostiques deviennent mystiques. Les pierres de la vieille ville ont absorbé tant de prières qu'elles finissent toujours par rejaillir sur le visiteur. Bon ben voilà Olivier, bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir. Rif, bah alors Rif. Enchanté. Rif Cohen. En Europe on dit tous les chemins mènent à Rome. En fait c'est pas vrai, tous les chemins mènent ici. On va partir par le souk et on va faire un voyage dans l'histoire. Olivier, on est devant le mur des lamentations. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le mur des lamentations? Quand on voit la tradition juive où on prie comme ça, c'est une sorte d'hypnose, de concentration dans la prière. Donc des juifs qui sont comme ça devant un mur, bon, on a appelé ça le mur, les juifs se lamentent. Voilà. Mais en fait, on appelle ça le mur occidental. Rif, qu'est-ce qu'on demande au Tout-Puissant? Est-ce qu'on remercie ou est-ce qu'on demande des choses? Je me rappelle quand j'étais petite, j'ai demandé un frère et un chien. Oui, et j'ai reçu les deux. Ah, c'est bien. Oui. Et les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec les femmes qui ont quand même un rectangle beaucoup plus petit que les hommes. En fait, il y a une raison extrêmement pratique. Je veux dire, dans le judaïsme, ce sont surtout les hommes qui vont prier, qui vont à la synagogue, faire les fêtes, etc. Alors, je ne voudrais pas te contredire, mais dans le rectangle des femmes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le rectangle des Aujourd'hui, hommes. C'est vrai. Donc là, ce qu'on entend, c'est le muezzin. Oui, c'est le muezzin de Jérusalem. Olivier, ce qui brille là-bas, c'est le dôme du rocher. Là, il y a la mosquée Al-Aqsa. C'est un haut lieu pour les musulmans. Alors, c'est le troisième lieu le plus saint de l'islam, après la Mecque, après Médine. Il y a le dôme du rocher. Et dans les premiers temps de l'islam, on priait en direction de Jérusalem, même si dans le Coran, Jérusalem n'est jamais cité, le nom n'est jamais cité. Et c'est pas ici que Mahomet est monté Alors Mohamed a fait le voyage dans le ciel, les sept cieux, sur sa jument, il est parti d'ici. Et c'est là qu'il a eu la révélation, Dieu lui a expliqué le monde, le passé et l'avenir, bien sûr. Là, on a
arrive au Saint-Sépulcre. Donc ici, c'est l'endroit où Jésus aurait été crucifié. Et à l'intérieur, il y a son tombeau. Absolument. C'est une église qui est construite de différentes époques. Là, c'est cette tour, elle est de la période croisée. Mais alors, qui a les clés du Saint-Sépulcre? J'ai entendu dire que c'était un musulman, plus exactement deux familles musulmanes. Et apparemment, c'est une histoire vieille de plus de 850 ans. Expliquez-nous. Comme les différentes communautés, les Arméniens, les Grecs, les catholiques latins, etc., ont du mal à cohabiter, le fait d'avoir un musulman permet d'empêcher tout problème pour ouvrir la porte. Deuxième raison plus pragmatique, c'est qu'en fait, c'était le sultan, il voulait être sûr que les communautés payent la taxe. Ah. Et donc, s'il ne payait pas la taxe, on n'ouvrait pas l'église. Changement total de décor, Riff. On est ici dans le quartier de Mamila. Le quartier de Mamila, c'est un quartier où coexistent des boutiques ultra design avec des statues modernes et puis avec ces vieilles pierres, ces vieilles maisons aux pierres numérotées. Pourquoi elles sont numérotées, les pierres? Alors, ils disent qu'il y a 20 ans, ils ont détruit toutes ces maisons et pour les remettre juste en place, ils ont mis ces numéros. Pour appeler la lune. Ce serait quand même dommage de cantonner Jérusalem à ses seuls trésors millénaires. Est-ce que c'est une ville qui bouge? Alors, c'est divisé en deux. D'un côté, je trouve que ça bouge. Et de l'autre côté, c'est bloqué par rapport à Tel Aviv. Il y a une scène de underground qui est beaucoup plus extrême qu'à Tel Aviv. Votre dernier album, À la menthe, c'est un patchwork de styles, de timbres, de vibrations. Vous chantez en hébreu, en français et en nubie. Qu'est-ce que c'est que le nubie? Alors, le nubie, c'est une langue arabe littéraire et soudanais. Ouais. C'était à la mode un peu il y a quelques années ici. J'ai fait avec un ami à moi, Ravid Kahlani, qui chante en Yémen blues, ça s'appelle Yémen blues. Et on a fait des concerts avec avec des reprises de musique africaine et de Nord d'Afrique. Votre premier album, il s'appelle « À Paris ». C'est une aventure qui a débuté dans la capitale française, mais qui ne s'est pas passée exactement comme prévu. Racontez-nous. L'histoire, c'est que j'ai rencontré tous les maisons de disques à Paris. Et tout le monde m'a vachement aimé, mais ils m'ont dit « Voilà, écris d'autres chansons et on va voir, écris d'autres chansons ». Et comme ça, j'ai resté des mois et des mois à Paris, seule. Et j'étais en train d'écrire et d'écrire et d'écrire, et rien ne se passait. Et finalement, j'ai décidé de faire moi-même, en façon indépendante, le clip à Paris et le sortir sur le YouTube. Et ça, en fait, c'est ça qui m'a lancé, qui m'a aidé, parce que après, tous les maisons disques voulaient me signer. À Paris, à des parfums, à Paris, des bons sacs à main et parfois des paroisses, des magazines, auparavant, des parapluies et des sorties. Après, tout s'est enchaîné. Oui, c'était le début du succès. J'ai fait plein de concerts en Europe pendant 9 mois. Et maintenant, je fais des concerts dans la Méditerranée, Turquie et Israël. Et après, on va lancer encore sur plein de concerts dans le monde. J'espère d'arriver au Nord d'Afrique ou en Afrique en général. Et ça, c'est mon rêve, en fait. L'une de mes chansons préférées, c'est « Dans mon quartier ». Il ressemble à quoi, le quartier de tes rêves ? C'est en fait une place avec plein de poésie, avec un bon parfum, avec qu'on accepte chacun comme il est. Et c'est un quartier qui n'existe pas. Voilà. Qu'il faudrait inventer. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bombards, les vandards, non pas d'accès. Riff, la suite, c'est quoi alors? Un troisième album? Oui, alors troisième album, je suis en train de travailler chaque jour dans mon studio.
C'est toujours sur les questions de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait danser exactement, qu'est-ce qui me plaît. Et j'adore faire ça, vraiment. Cap à l'est de Jérusalem, dans la partie arabe de la ville, pour rencontrer Idan Reichel. Tout a commencé pour lui avec un accordéon offert par son grand-père alors qu'il n'avait que 10 ans. Trois décennies plus tard, il réunit autour de lui des dizaines de chanteurs, de musiciens dans le cadre d'un projet unique en Israël qui est devenu sa signature, The Idan Reichel Project, un métissage de culture et de sonorité. Idan, Israël, c'est une terre d'immigration par excellence. C'est une terre pour de nombreuses traditions, de nombreuses cultures. Je sais que depuis toujours, vous êtes fasciné par cette diversité. Comment elle s'exprime dans votre musique ? Quand j'ai créé Idan Reichel Project, mon groupe, je trouvais ça très bizarre qu'à la radio israélienne, on entende seulement de la pop américaine, de la pop européenne, ou alors des chansons en hébreu. Et je me disais que ce serait sympa d'enregistrer tous les chanteurs du projet dans leur langue maternelle, car nous sommes tous israéliens, mais nous ne devons pas renier nos origines. Nous sommes des Israéliens venant d'Éthiopie, de Colombie, d'Europe de l'Est et du Yémen. Et c'est ça la beauté de la diversité que nous avons ici. Ces dernières années, vous avez fait quelques enregistrements et donné des concerts en solo au cours desquels on a notamment pu découvrir vos talents au piano. J'ai lu quelque part que vous aviez besoin, envie de faire entendre votre petite voix intérieure. Elle nous dit quoi, cette petite voix ? J'ai joué avec Idan Reichel Project, un grand groupe, 15 personnes sur scène, pendant 12 ans. Puis j'ai eu envie de commencer à jouer du piano en solo, juste pour aller vers une atmosphère totalement différente, sans toutes ces voix. Et j'ai simplement commencé à jouer du piano et à chanter en tant que compositeur-interprète, d'une manière très calme et simple, pour raconter la vérité derrière les chansons. C'est presque comme ce que faisaient les conteurs d'histoire d'antan, autour du feu. Et c'est aussi important pour moi de sortir de ma zone de confort et de changer. Vous avez sillonné le monde en collaborant notamment avec de grandes stars internationales. Je ne vais en citer que quelques-unes, Alicia Keys, Vieux Farka Touré, India. Vous avez même donné un concert privé pour Barack Obama. Quelles ont été les collaborations, peut-être les moments les plus marquants de votre carrière ? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai collaboré avec plus de 150 musiciens et chanteurs. Pour moi, les collaborations les plus importantes et les plus naturelles, les plus spontanées, sont toujours celles que je fais avec des personnes qui sont très fières de l'endroit d'où elles viennent. Je sais que Patrick Bruel adore Paris. Vieux Farka Touré veut toujours retourner à Niafunké, au Mali. Et moi-même, je me vois avant tout en tant qu'Israélien, avant de me considérer comme un artiste international. Ce sont ces collaborations-là qui comptent le plus pour moi. Celles avec les musiciens qui sont très patriotes et amoureux de leur pays. Ne t'en va pas, je te le vois. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirais c'est difficile. Vous avez également joué avec des artistes palestiniens, je pense notamment à ce concert d'Alicia Keys, au cours duquel vous avez joué avec un musicien qui vient de Ramallah, qui s'appelle Ali Amar. Est-ce que c'est important, même à distance, de construire ce pont musical ? La collaboration avec Ali Amar a été très émouvante pour moi. Nous vivons à seulement 40 minutes l'un de l'autre. Il vit peut-être à 2 ou 3 kilomètres d'ici. Mais je ne peux pas traverser la frontière pour aller vers lui. Et inversement, nous devons prendre un vol de 12 heures via New York pour nous rencontrer. Mais je pense que cela est un bon exemple. Qu'est-ce que la paix ? Peut-être que nous ne sommes pas d'accord sur plusieurs choses. Peut-être ne serons-nous jamais d'accord. Mais nous vivrons en paix. Beaucoup de gens ont une vision erronée. Ils pensent que le contraire de la guerre, c'est la paix. Mais le contraire de la guerre, ce n'est pas la paix. C'est pas de guerre. C'est juste ne pas tuer l'autre.
La paix, c'est autre chose. La paix, c'est la volonté de franchir les frontières. C'est vouloir traverser une frontière car on a hâte de voir son artiste préféré se produire au Liban. C'est pouvoir aller dîner dans le meilleur restaurant d'Iran. Je pense que les Français devraient venir ici pour visiter Jérusalem, Tel Aviv, passer du côté de Ramallah. Il y a des endroits magnifiques à travers le Moyen-Orient. C'est regrettable que l'on n'entende parler que du conflit aux infos, mais je suis impatient de pouvoir aller en Iran, au Liban ou dans ces merveilleux endroits. Et c'est déjà l'heure de nous quitter sur ces images du marché Maan Yehuda. Le matin, on est assailli par les odeurs, par les couleurs des stands d'épices. Mais le soir, une fois les étals rangés, une ambiance festive et branchée investit ce lieu chargé d'histoire. À très vite. Ce problème, pop inspiré, ça va pas du tout, c'est de pire en pire. Alors, je te sers d'abord la main. Bah oui, parce que tu m'as mis un vent. On est dans le quartier de la Mamila. Le chien. On a de la chance, hein. L'internet, ça m'a vachement aimé. Aidé. Ouais. L'internet, ça va. Pardon. Ouais. Are you okay with all this sound? It seems like we are in the Charles de Gaulle Airport. 3, 2, 1.